Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau hashtag DJ Mario. Bon, bien sûr, la nouvelle formule live où juste je teste vos niveaux. Comme d'habitude, vous m'avez mis vos petits niveaux sur le hashtag DJ Mario sur Twitter et je vais faire de mon possible pour les terminer, ne pas m'énerver et mettre un bof. Du coup, j'en ai déjà sélectionné un pendant la petite pause et on est tipard pour du coup le niveau suivant. Water on Poison Forest de Hyriox, déjà traversé moult fois et pourtant réussi si peu. D'ailleurs, hey, le record c'est As de Pique. As de Pique, record du monde avec 5 minutes. C'est-à-dire que c'est un long niveau, terrible, terrible. Ça va mal se passer déjà dès le premier niveau. C'est génial. C'est à quelle heure le donjon est sans ? C'est jamais. Allez. Zimbanzi. Bon, YouTube, normalement, là t'as raté le donjon des 100. Hein. Normalement, cette VOD, elle sort après le donjon des 100, donc j'espère que t'étais là. Pire, ça sortira en VOD. Bon, alors, Water and Poison Forest. Alors, il me semble que la personne voulait juste que je teste son niveau et que je lui donne mon avis. Du coup, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue pour ce DJ Mario Live où je teste vos niveaux. Alors, première fois que je vois ce niveau. Alors, donc si j'ai bien compris de ce que m'a dit la personne, il faut alterner entre niveau dans l'eau et niveau dans le poison. Et j'avoue bien aimer le principe. Alors si seulement j'avais pu tuer ce chip-chip par la même occasion, ça m'aurait arrangé. Oula, oula, vite. D'accord. Mais alors à quoi bon on est dans le niveau avec du poison? À quoi bon, finalement? Ah, peut-être pour ça. Peut-être finalement pour pouvoir activer ça. Très bien. Yay! Ah! Hein? J'ai pas compris. Donc il faut visiblement que je retourne dans le poison. Aïe aïe aïe, ça a mal se passé. C'est reparti. Ah non, il est de retour. Mais du coup, je peux même pas leur sauter dessus, là, je suppose. Du coup... gare à vous. Ah, mais oui, il va exploser dans le poison. Ah, bien joué. Bien joué. Oh, gentil. Très bien. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans l'eau tout de suite? Ah, pour activer le bloc on et off, oui, on en a besoin. Ok, très bien. Bon, pour l'instant, j'aime bien le principe du niveau, et puis la décoration est cool. Donc ça, déjà, vous savez que moi, j'accorde beaucoup d'importance au point déco. Donc, let's go. Ah, il y a un autre tuyau, là. Est-ce que c'est une bonne idée? Quoi? Des bombes dans l'eau? J'ai cru qu'il allait m'exploser dessus. J'allais très mal le vivre. Qu'est-ce que... Comment faire? Bon, je suppose qu'il faut retourner encore dans le monde du poison. Très bien. Retourne-y. Tson, tson, tson. Zemandi. Quoi, mais... J'ai pas compris où. Ah, mais si, j'ai compris. Très bien. Mucho comprendo. Ça veut rien dire, mais je tiens à le dire. Attendez, du coup, ça veut dire que c'est possible de faire ça? C'est possible de faire ce que je veux? Oh, mais... Déjà, va-t'en. Je peux vraiment remonter avec la bombe? J'ai vraiment le temps? Alors, non, j'ai clairement pas le temps. What? What the fuck? Comment faire? Est-ce que... Ah non, parce que je sais que je suis pas très doué, d'accord? Putain, il y en a 5 milliards. Je vais retenter une deuxième fois, hein. Le problème, c'est que j'ai pas une grosse aisance dans l'eau. Ah,
Bah déjà là, ça pose problème. Non mais non mais le chip chip de sa mort. Là ça pose un peu problème. Est-ce que je vais vraiment réussir à faire ça? Oui là il réussit ça. Non mais il faut arrêter d'être chiant. Attendez une minute. Est-ce que c'est vraiment une bombe qu'il faut? Mais comment faire? Exactement. Je vous jure que si j'y arrive pas, je le fais. je vais mettre un stickers, mais comment faire? Oh putain, mais c'est ça! Je vais faire ça dans tous les trucs dans lesquels j'ai un peu du mal. Je vais mettre le stickers, mais comment faire? Putain, génial, merci. Merci à vous. Ça mérite un bof, mais non. Pour le moment, je vois aucun problème. Faut arrêter d'être con! Ouais, niquez-vous. Mon problème, c'est que j'ai une très mauvaise aisance dans l'eau. Oui, c'est pas par là. Mais non, mais sous. Toadette, il passe sa meilleure vie actuellement. Pas moi. Bon, bah, je vais mourir. Il s'agirait de bien jouer. Hein. Un moment. Je pense que c'est possible. Je peux encore offrir ça aux spectateurs. Boum. Je suis paniqué. Eh ben c'est ça, hein. Il faut une carapace. Non, pas une carapace, il me faut une saloperie, quoi. Alors du coup, je vais retester ça. Parce que déjà, lui m'a saoulé. Attendez, est-ce qu'on peut envoyer vers le haut? On ne peut pas envoyer vers le haut. En fait, le problème, c'est que j'ai vraiment une mauvaise aisance sur l'eau. Je rappelle que je joue avec des Joy-Con, hein. C'est quand même une information essentielle. Bah oui, mais il faut que j'envoie la bombe ici. Je suis au courant, monsieur. Mais c'est dur. Je vais y arriver. Ah oui, alors du coup. Attention, c'est essentiel. Comment faire? Certainement mon stickers préféré, là, de Mario Maker. Bon. Quoi? Ah oui, d'accord, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton Y de ma télécommande. Il va passer où? Mais Toadette, elle est passée... Elle est trop grosse, Toadette. Mais pourquoi là, elle marche? Pourquoi là, elle y arrive? Pourquoi là, elle y arrive et pas là? Je comprends pas pourquoi il y arrive une fois sur 15 environ. Ça devient un petit peu insultant. Je commence à mal le vivre, hein. Je tiens à vous le dire. Faut pas aller dans l'autre zone, non? C'est pas dans l'autre zone. Dans l'autre zone, on peut rien faire. Non, c'est bien ici, mais le problème, c'est que là. Pourquoi je réussis une fois sur 15 et surtout à la fois où je m'y attends le moins? C'est peut-être ça le problème. C'est pas du tout ça le problème. Je suis un homme en colère. En fait, je vous expliquais, j'ai un problème avec mes doigts. Je n'arrive pas à appuyer à la fois sur le bouton pour courir et à bourrer le bouton de saut en même temps. Je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Je n'arrive clairement pas à faire les deux en même temps. J'ai un problème. J'ai un problème moteur. J'ai un problème moteur. Écoutez, dans un instant, je vais y arriver. Sensationnel. Au secours! J'ai honte. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais le timing, il est horrible en plus! Pourquoi t'as fait ça?
Pourquoi t'as fait ça, Ariox? Pourquoi tu fais du mal aux gens gratuitement comme ça? Est-ce que t'as une revanche à prendre sur la vie? Je pense pas que ce soit la solution, Je pense que si, hein. Je vois pas d'autre solution, c'est-à-dire que là, il faut... faut envoyer une bombe, hein, clairement. Il faut clairement envoyer une bombe. À la limite, ce qui aurait été sympa, c'est peut-être que ces canons-là, ils envoient des bombes. Est-ce que le joueur est là? Le créateur, plutôt. Je vais apprendre à jouer un moment. Au secours, j'ai mon bébé qui s'étouffe, il est tout bleu! D'accord, calmez-vous! Calmez-vous! Merci l'oiseau de nuit. J'aime bien les gens qui pensent vraiment savoir jouer à Mario. Prends le tuyau, prends la bombe, prends le tuyau avec la bombe. Oui, bien sûr! Bien sûr, c'est vrai que la bombe, elle reste 20 minutes dans nos bras. Y'a pas de soucis, hein. S'il vous plaît, ne donnez des conseils que si vous jouez au jeu. Le mec méchant. Putain, j'aime pas. J'ai le droit d'être méchant, regardez comme je joue bien. J'en ai marre! Je suis nul, hein, ce soir, vraiment terrible. Déjà, mes propres niveaux tout à l'heure, j'y arrivais même pas moi-même. C'est vous dire à quel point là, je suis mauvais. Non, c'est pas par là. Je vais encore me faire bait par un poisson. Finalement, c'est le plus dur de ce niveau, c'est le poisson. Terrible. Ah, le créateur est là. Le créateur certainement désappointé par ce qui est en train de se passer. Yeah! Guerre à vous. Bon. Je te dis qu'il faut ramener la bombe dans la zone du poison. Comment ça, faut ramener la bombe dans la zone du poison? Mais c'est encore pire alors s'il faut faire ça! C'est encore pire! C'est encore plus con! Je comprends pas. C'est encore plus dur. Bon, toi déjà. Bon, je vais essayer, hein, mais vraiment, je vais jamais arriver. J'apprends le haut doigt. Mais saute! Y'a moyen de reconfigurer ces touches? Déjà, j'ai même pas appuyé sur le bouton, non? Si. Et comment faire? Mais non, mais ça marchera jamais. J'aurai jamais le temps. Je me concentre. Je vais y arriver, hein. Mon but dans la vie, c'est d'y arriver. Toujours dans l'esprit du plaisir. Et de ne plus m'énerver aussi. J'avais dit que je m'énerverais pas. J'ai déjà perdu. Coucou YouTube. Coucou YouTube. Toi qui regardes cette VOD, ne sois pas déçu de ne pas être sur le livre pour poster ton niveau et poste-le en commentaire. J'essaierai d'y jouer. C'est moins bien que Luna, mais c'est déjà ça. Des bisous. Merci Roussette. Des bisous. Et c'est vrai que vous aussi, n'hésitez pas à jouer à au niveau, en fait. Hein. Mais j'ai l'impression, par contre, que lorsque j'ai pris la bombe, genre son compte à rebours a recommencé. Et si tel est le cas, je ne connaissais pas cette mécanique, et du coup, je me retourne le compliment que j'ai fait au viewer tout à l'heure, à savoir, c'était toi d'ailleurs, à savoir, ferme ta gueule si t'as pas joué au jeu. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ça reset... Ça reset la bombe, ce que je découvre actuellement. Je vais me tuer. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton on off. Du coup, voilà, bon, bah, du coup, ça me permettrait d'avoir découvert un truc et de fermer ma gueule. J'avoue avoir fait une erreur, j'avoue avoir trop vite jugé. Et j'avoue être un gros con. Voilà. Super Mario! Ah là là, c'est décidément trop d'émotion. C'est parfait. Merci pour le timing des Kenzo. Alléluia! Merci beaucoup. Le code Svetlana. Mais attendez, du coup, je veux tester un truc.
I want to test a trick. Parce que d'accord, on peut le faire dans ce sens-là, très bien. Je suis sûr que ça sert à rien ce que je vais faire, mais je veux quand même le faire. J'ai le sens du gaming. Bon, déjà, vous aurez remarqué que j'ai appris à me servir de mes doigts. Pas du tout, putain. Oh non, mais il est revenu, lui. Je vais le tuer. Voilà. I'm gonna test le truc. Parce que du coup, si on peut le faire dans ce sens-là, on peut le refaire dans l'autre sens. Logiquement. Ah mais oui, mais non. Bah oui. Ou alors, il faudrait vraiment que j'ai un bon timing, quoi. Bon, ça me saoule. Attends, vite. Ok, très bien. Bon, on avance. Et un checkpoint, mais oui, mais ça c'est beau. Ça c'est déjà, c'est un bon niveau. Je dis pas ça parce que je suis mauvais. Pas du tout. Bon bah, évidemment, faut aller dans le niveau de l'eau. Bon, du coup, mon idée, vous l'aurez compris, c'était à la base de... d'essayer de passer par là. Comment faire? Mais qui a pu mettre ça là alors que c'est si simple? Un support établi. Qu'est-ce qu'on a là-bas, du coup, dans le tuyau bleu? Des calécatons, oui, oui. Qu'est-ce que c'était? Ah, mais c'était une... une carapace de Skull Rex. J'ai envie de mourir. Poui, 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 poui. Bah, je sais ce qu'il faut, hein. Il faut aller la prendre. Si j'y arrive. Parce que ça, c'est pas... Attendez. Pas si facile que ça, je vais dire. Je n'ai à aucun moment appuyé sur le bouton sur ma télécommande. Bon, certainement, je l'ai fait, mais du coup... Je dois regarder mon... Bonjour à tous. Je vais y arriver, hein. Ok, c'est bon. Incroyable. J'ai réussi au bout de 37 essais. And I think it's beautiful. Bon. Maintenant. Oh non. Mais non, mais vie de merde. Les chip-chip. Bon, ça va. On perd pas non plus énormément de temps vu qu'il y avait un checkpoint. Non! Laisse-moi tranquille! Tu n'es pas mon ami! Mais comment faire? Il y a trop de chip-chip. Too much chip-chip. Il n'y a pas too much water, il y a too much chip-chip. Comment? Mais quelle honte! Ah, il faut pas que j'appuie sur le bouton en bas en plus. J'avais oublié que ça faisait ça. Quand on appuie sur le bouton en bas de sa télécommande, on se suicide en fait. Très bien. J'apprends. J'essaie de pas. Est-ce que je peux les tuer? Oh ouais. Ok. Tu es mort. En vrai, ça par contre, c'est bien utilisé. Hein. Ça, c'est bien joué. Bon, et ça, c'est le moment débile où je me tue contre un Goomba. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va nous proposer comme feature? Quoi? On peut aller dans l'eau en étant en carapace. Ça, c'est beau, ça. Ah. Je vais arrêter de vivre. Comment? Pardon. J'ai réfléchi tellement longtemps que j'en ai oublié que j'existais. Je suis allé dans une faille spatio-temporelle en réfléchissant. Pire joueur. Et c'est le début de la soirée. Hein. C'est le début de la soirée, ça va s'empirer. Plus on va jouer, plus ça va s'empirer. Mais... Oh, les chip-chip, je commence à avoir ma claque, par contre. Hein. C'est le dernier truc. Déjà que de base, adopter les poissons rouges, je déteste ça, mais alors là... Là, clairement, on est sur un bail qui ne m'intéresse plus au moindre pourcentage, quoi.
Arrêtez de con, arrêtez de con. Yes, hein. Bon, on est patient. On est patient et on est vénère, parce qu'on a... On l'a pas tué, mais on est patient. Allez, cette fois c'est la bonne. Pas du tout la bonne, je vais certainement courir dans deux secondes. Allez. Non, je vais faire un truc d'ailleurs. Oui, voilà. C'est peut-être même ce qu'il faut faire en vrai. Si ça se trouve, j'ai la soluce. J'ai peut-être 10 solus. Eh, je crois que je l'ai vraiment. Hein. Il faut que j'aille rechoper une carapace. Je pense que j'ai la soluce, effectivement. On est sur une soluce, là. Donc là, je vais en bas. Je me laisse tomber. Et on se fait plaisir. Et c'est bien ça. Je vais récupérer ma carapace ou pas? Oui, d'accord. J'ai eu peur. Hein. D'accord. Je suppose qu'on peut pas faire de longs sauts. Très bien. J'ai très peu la carapace et dans le style 2D. Ça... Je suis très tenté d'y aller maintenant. Je vais être beau joueur. Et je vais le regretter. Parce que là, du coup, il y a quoi là? Du coup, il y a... Ah, il y a même pas une portion de level cachée. Il y a même pas une portion secrète de niveau. Bah si, il doit y avoir une portion secrète de niveau. Il doit y avoir une portion secrète de niveau, justement, en allant par là. Voilà. Allez, dites-moi qu'il y en a une. Il y en a une. Il n'y en a pas. Comment faire? Mais qui a mis ça? Qui a osé mettre ça? Yes, hein. Ah si, ah, merci. Merci bien, bon. C'est un peu décevant comme récompense, mais je suis quand même content qu'il y en ait une. Et rien que pour ça, il y aura un gemme. Déjà, le niveau en soi est cool. Le niveau est bien construit. Le joueur est moins bon, hein. La personne que tu as décidé de prendre pour bêta tester ton niveau, pas ouf. Très fort au jeu vidéo. Mais on te pardonne. On te pardonne les aimants, c'est pas de ta faute, c'est de la sienne. Et là, attendez, non, parce que le gag peut aller plus loin. Là, si je tombe dans le poison, là, la rigolade est au max. Mais je n'ai pas à quel point j'ai peur. Ok, c'est bon. Yes! Bon, ça aura pris quoi? 1h30, ça va? Ça va, c'est bien passé. Tout ça pour 50 balles. Eh, c'est déjà pas mal. Eh bien, écoute, très bon niveau, Ariox. Comment ça, j'ai pas le niveau... Écoutez... As de pique, tu vois. Bah, écoutez, étant donné que c'est As de pique qui a le record... Salut tout le monde. Il est hors de question qu'il le garde. Connerman. On m'appelle Connerman. J'en ai pas besoin, c'est pour les faibles, ça. Désolé, hein. C'est juste que j'ai un honneur. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un. Je dois battre le record. Je dois prouver à As2Pic que je suis un meilleur Mario Maker que lui. Ce qui est absolument faux. Il est clairement plus fort que moi. Mais on pourra dire... Je pourrais mettre en miniature... J'ai battu As2Pic. Ce à quoi tout le monde me répondra, ta gueule. Ça va bien se passer, j'ai pas de doute. Je vais avoir le record du monde et je serai le plus fort. Il faut d'abord que j'appuie sur le bouton ON. Ne pas faire la même erreur 10 fois, s'il vous plaît. Voilà. Ne vous avisez pas de battre le record après. Hein. Mais non, mais arrête d'être débile. Pardon. Ne vous avisez pas de battre le record après moi, s'il vous plaît. Ce serait vraiment... J'en ai vraiment marre d'être mauvais. Vous imaginez pas à quel point j'aimerais être bon aux jeux vidéo.
Mais ça, est-ce que vous savez le faire? Vous savez pas le faire, ça, hein? Vous avez pas les tricks. Vous savez totalement le faire. Allez. En vrai, si ça se trouve, je vais même pas l'avoir, le record. Même en connaissant le niveau. Même en connaissant le niveau, je vais pas l'avoir. C'est ça qui est bon. C'est un petit peu une performance. Oh, les chip-chip qui vont la mettre à l'envers, je le sens. C'est bon. Je suis en vie. I'm alive. Donc voilà, vous avez le speedrun du niveau. Speedrun... speedrun 0%, mais... speedrun. Non, mais bien sûr, je la laisse à As-de-Pix, c'était pour rien. Allez, niveau suivant. D'ailleurs, il faut que je mette un commentaire, moi. Hein. Eh oh. Faut que j'en mette un. Hein. Comment ça, je peux pas? Bon, bah, ton commentaire, ce sera comment faire. Et des bisous. Sache qu'on te fait des bisous. Des bisous à toi, je sais pas pourquoi je peux pas en mettre un deuxième. Ah, mais il faut que je retermine le niveau pour en faire un. C'est un dilemme. Est-ce qu'on refait un speedrun? Est-ce qu'on retente de battre As-de-Pique pour faire un bisou? Allez. Je pense que si. Hein. Quoi? Comment ça, l'aime? Ah, parce que j'ai dit dilemme. C'est quoi? Allez, si je meurs encore une fois, t'auras pas de bisou. T'auras pas de bisou, mais t'auras un comment faire. Et comment faire, je pense que c'est bien. Je pense que comment faire, c'est très très bien, tu sais. Faut pas m'en vouloir. Allez hop, speedrun mon pote. Je suis clairement pas là pour perdre du temps, moi. Le karma a parlé. J'ai reçu un appel du karma, il m'a dit ta gueule. Je vais crever. Je vais vraiment mourir comme ça. J'en ai marre. J'en ai marre en fait. J'en ai marre de faire le malin et de tomber dans le ravin instantanément. Mais c'est pas par là. Je connais même pas le niveau et je veux le speedrunner quand même. C'est terrible. C'est vraiment pour le bisou, hein. C'est vraiment pour le bisou et pour... Je suis trop tendu. Faut que je me détende. Faut que je me détende et vous allez voir, ça va bien se passer si je me détends. Là, je me mets bien. Je me mets en mode tranquille, en mode je sais que je vais y arriver. I know I can do this. Et si je know I can do this, ça va bien se passer. Des bisous, hein. Des bisous à toi. Passe une très bonne soirée. J'ai envie de me foutre des baffes. Alors, voyons voir. Alors. Dans ce niveau, vous devez explorer un donjon, mais dans le noir, malgré le fait qu'on peut prendre easy, ce niveau est compliqué. Ah. Ah. Un niveau qui peut être compliqué. Eh bah, c'est parti, hein. Des bisous à toi, en tout cas. J'espère que tu as passé un bon moment pendant que je testais ton niveau. Quoi. Tel un pro-gamer. Tu l'as pas vu, mais j'ai battu le record, mais c'est juste que t'as fait une pause. T'as pas vu. Sur la VOD, ça a certainement été coupé aussi, mais... Sachez que j'ai le record du monde sur ce niveau, imbattable. Je rappelle, encore une fois, hein, je me suis jamais autoproclamé très bon à Mario ou quoi que ce soit. Je joue à Mario, je suis pas forcément très fort, mais je m'éclate. c'est tout ce qui est important. Allez, Staroys, donc Dark Dungeon, je vais être le premier à le terminer. C'est sûr, 100% de réussite. Regardez, vous voyez pas le 1, là, après les 0? Moi, je l'ai vu, j'ai la vision. J'ai tout. Alors, ah oui, déjà, dans le noir, déjà. Dans le noir. In the black. Oui. Il y a écrit quoi? Oh! On peut prendre deux voix, la voix hard et la voix easy. Putain, c'est intelligent, ça. Vous voyez, c'est écrit... Dans quoi? Non, là, c'est pas écrit easy, c'est écrit easy. Easy, c'est easy. On va prendre hard parce qu'on est des vrais gamers. Ça a mal se passé, hein. 100% ça a mal se passé. Map. Ah, il y a une map. Oh, au secours, il y a une map.
Attendez. Oh là là. Oh, 100% j'ai perdu. 100% je sais pas où je suis. Si ça se trouve, là, j'ai pris la Easy sans faire exprès. Hein. Ah. Ping, 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 ping. Est-ce que je peux l'avoir, le bloc pow? Le bloc pow, 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 pow. Pas du tout. Ah non. Je ne peux pas. En tout cas, pas pour le moment. Je pense pas pour le moment. J'ai essayé de faire un double saut. Je sens qu'il y a moyen. Il n'y a pas moyen du tout. Absolument pas moyen. Très bien, je ne vois rien. Allô ? Je suis aveugle. Si je vais en bas, ça va mal se passer, je le sais. Ça va mal se passer. C'est vrai que c'est sympa de rien voir. Hein. C'est plutôt mon délire. Yes. Pas du tout anxiogène. Hein. Les niveaux dans le noir, c'est clairement dans mon top 3 des trucs anxiogènes. Yes. Ah ! Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi ? Ah, le petit bâtard! Ah, le petit bâtard! Oh là là, il faut que j'aille en bas. Hein? Bonjour. Super Mario! Ah là là, c'est décidément trop d'émotions! Merci Aero pour le sub 2 et pour les 50 mois! 50 mois! Putain, 50 mois, incroyable! Un record à battre, hein, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Aero. Oh non, non, ah non! Ah non, non, mais. Je suis dans le noir et là, il y a une mouche. Au secours. Au secours. Il faut que je... Je vais garder mon calme. Je vais me mettre en position de calme. On y va, hein. C'est parti. Oui, je m'en fous. Je m'en fous. Salut, mon pote. Merci beaucoup, Aero, pour les 50 mois. Ah, mais il y a pas du tout un bloc là-bas. Attends une minute. Ah non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Très bien. J'aurais essayé. J'ai paniqué. Je comprends rien. Ça va se passer, hein. Attendez, on peut aller dans le tuyau là ? On peut aller dans le tuyau. J'avais pas vu le tuyau tout à l'heure. Oh là là. Oh là là. Très bien, salut hein. Oh là là. Je m'en bats les couilles. Salut mon pote. J'ai pourtant essayé hein. Allez. Cette fois c'est la bonne. Pas du tout. Mais je vais donner mon maximum. Je vais donner mon maximum. Et gagner des défis. Je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir ce point. Je suis sûr qu'il y a moyen, ça. Ça me trigger. Je veux l'avoir. Je vais jamais y arriver. Mais non. Mais comment faire? Attendez. C'est juste parfait parce qu'il va apparaître vraiment là. C'est absolument parfait. Putain, faut que je fasse une emote comment faire. Aïe aïe aïe. Oh non, mais non. Un jour, j'apprendrai de mes erreurs. Mais comment faire? Allez. Cette fois, j'y arrive. Y'a quelque chose par là? Ah. Ah. Bon. Cette fois, on est lucide. Ah.
Bon, super. Niquez-vous toutes. Je regarde là, on sait jamais. Au cas où la personne est... J'adore rire. J'adore rire. Merci de me faire soin. Merci à toi, des bisous. Merci beaucoup pour les 3 mois. Bon, là, normalement, on la tue. Ce qui serait terrible, c'est que je me fasse toucher. Je suppose qu'il faut tuer la grosse. Elle va me donner une clé, à n'en pas douter. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout, en fait. J'ai aucun intérêt. Faut vous imaginer que ce que je fais actuellement avec des Joy-Con, c'est difficile. Pour n'importe quel être humain, c'est normal. Pour quelqu'un avec des Joy-Con, c'est dur. Bon, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai la fleur de feu. Fleur de feu qui me permet de faire du feu, comme son nom indique. C'est mon pote. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais qu'est-ce qu'on a bien... Qu'est-ce que vous avez inventé encore comme connerie pour me faire du mal? On voit rien. Pourquoi vous me faites du mal comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ah non, ça suffit. C'est dur la vie, c'est dur. C'est dur la vue. Mais je vais y arriver. Hein. Je crois en moi, je crois en vous. Croyez en nous, s'il vous plaît. Tandis que le compteur en haut ne s'active plus du tout. Vous êtes 230 millions de viewers, mais Twitch veut vous mentir. Ah, je l'ai pas fait exprès, mais très bien. Très bien. Mais alors attendez, à quoi peut me servir cette fleur de... Mais cette fleur de feu peut me servir à tuer tout ce merdier, bien sûr! Bien sûr, il faut être intelligent dans ce truc-là. Attendez. Je vais activer mon cerveau. Attention, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, c'est bon. J'ai activé mon cerveau, j'ai fait ce que je pouvais. Très bien, allez, hop, salut, hein. C'est bon, pote. Je vais y arriver, hein. J'ai pas besoin de vous. Quand je dis j'ai pas besoin de vous, c'est des vampires, là. J'ai besoin de vous. Les viewers. Finalement, c'était simple, hein, pas obligé de se prendre des dégâts. Hein. Je m'en fous. Tac, voilà, tu veux quoi, tu veux quoi? Vous voulez quoi, les plans de Piranax? Plan de Pirarnax, là. Allez. Laissez-moi tranquille. Bon, je sais que j'ai pas besoin de vous tuer, du coup. Mais je vais aller tuer les comparses de l'autre. Là-bas. Hein. Oh. Oh là, eh. Croyez que je vous ai pas vu, vous, hein? Eh ben, je vous ai vu. Bon, j'ai mis du temps avant de vous voir, mais je vous ai vu. Du coup, là, on va avoir ensuite. Ah, mais attendez, mais je suis complètement con. Mais oui, mais c'est une énigme. Donc, forcément, il faut être intelligent, il faut utiliser son cerveau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lunatique. Faut utiliser son cerveau, en fait, 1, 2, 3, lunatique. On sait que t'en as pas, mais tu peux y arriver. Hein. Y'a quoi en bas? On voit pas ce qu'il y a en bas. Audacieux. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Allons voir. Ah mais non, mais j'aime pas trop cet endroit. Hein. On croit que c'est mieux quand on voit. C'est mieux quand on voit, en fait. Très bien. Donc là, on peut retourner au niveau des piranhas de tout à l'heure. Niveau des piranhas. On peut y arriver. On peut le faire. C'est possible. On peut y... Merci. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute, je vous jure. Je vous jure que c'est pas ma faute. Je crois que c'est pas ma faute. C'est pour m'entraîner à ce passage.
que je suis pas sûr de bien le connaître encore. Ok, c'est comme ça qu'on le passe. Ok, bon bah maintenant que j'ai l'entraînement... Maintenant que j'ai l'entraînement, je vais aller rechercher la fleur de feu parce que je l'ai perdue... Bien sûr, sans faire exprès. Il y a un bug, elle a disparu. Vous savez ce qui a disparu aussi? Mon envie de vivre, actuellement. Ma joie de vivre a totalement disparu. Allez. C'est histoire de quelques heures, ça va aller vite. Oh, ce miracle. Non, mais... Stop. Comment faire? Mais comment faire? Putain, en plus, c'est simple, quoi. J'ai la solution depuis le début, depuis le premier moment, j'ai la solution. Mais je joue juste mal, en fait. En fait, j'ai un cerveau, mais j'ai pas les actions qui vont avec. Merci à toi. Merci à toi d'avoir joué au jeu. Bon, il s'agirait de pas lâcher, hein. Il s'agirait de pas lâcher cette fois. De pas faire le con, en fait. Merci à tous. Je suis quand même fier de faire des actions vraiment très simples. Et ça, c'est un petit peu la joie, l'émerveillement d'un enfant sur un jeu vidéo. Vous savez, quand il a réussi à tuer son premier Goomba, il est « Oh ouais, trop fort !» Mais qui a fait ça? Qui a décidé? Ah mais oui, mais je suis con. Tout va bien. Tout va bien! Oh non, tout va pas bien. Tout ne va absolument pas bien. Tout ne va pas bien du tout. Oh, rien ne va bien en fait. Rien ne va bien. Oh, je suis le meilleur en fait. Je suis trop fort. Insupportable. Ah non, mais vous, je vous aime pas. Hein. Non, mais je veux pas revenir là. Je veux pas revenir là. Pourquoi vous faites ça? Ok. Todo va bene, ma bella. La la la. Oh, quel plaisir. Du coup, le pot, à quoi sert le pot? Attendez. Réfléchissons, à quoi sert le pot? Je crois que j'ai la réponse. Donc déjà, je vais laisser le chombe venir me croquer le cul. Voilà. Merci encore une fois à lui d'être là. On va ici. Et je dirais que le... C'est bon. C'était ça. J'étais pas sûr. J'avais peur que ce soit pas ça. Du coup, nice. Je peux passer. Ça va. Ça se passe bien. Quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Qui a fait ça? Quoi? What is the actual fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui t'est arrivé en fait quand tu as fait ce niveau? Est-ce que des gens t'ont fait du mal? D'accord. Je comprends bien. Oh non. C'est non. Quoi? Oh non. Jean-Edouard. J'étais censé ra... Oh, c'est bon, je l'ai. Bon. On va terminer. Mais je suis un petit peu énervé envers moi-même. J'aurais pu avoir plus de jugeote. J'ai été surpris, en fait. J'ai été simplement surpris par tout ça. C'était surprenant. Est-ce que vous attendiez à avoir une pyramide? Avoir une pyramide se former devant vous? Je ne pense pas. Alors sachez que le créateur du niveau a pensé une route dure. Là, je suis sûr que je suis sur la facile. Je pense que je suis sur la facile, mais si vous avez... Mais ça suffit un peu d'être mauvais au jeu vidéo. Si vous avez envie de faire une route plus difficile. En fait, ce que je vais faire, c'est que maintenant, quand je fais une phrase, je ne m'interromps plus quand je fais de la merde. Parce que sinon, je vais jamais parler. Yes! Allez. J'ai mon temps, vous avez le temps, vous aussi... mais comment faire?
Pour le troll, il y a checkpoint après. Comment ça, j'ai un checkpoint? Je refuse. Je refuse toute... itération de checkpoint, nulle part. Y'a rien. Après, ça s'arrête. Après, c'est fini. Bon. Au moins... on aura galéré dans l'exécution, mais pas dans la réflexion. Et ça, c'est le plus important. Laissez-moi me rassurer comme je peux. Hein. Laissez-moi me rassurer comme je peux. Je ne suis qu'un piètre gamer. Au moins, j'ai l'honnêteté de le dire. Mais ça veut dire que si t'as pas... parce que... de ce que j'ai compris, là, le mode facile, c'est du coup, t'as les blocs bleus d'activer. Enfin, de désactiver. Je dois aller où, déjà, là? J'ai oublié. Ah oui, en haut. Les piranhas. Mais du coup, si t'as pas les blocs bleus d'activer, qu'est-ce que tu dois faire à la place? C'est une grosse question, ça. Grosse question. Bon. Presque fait le bien le faire. Presque fait bien le faire. Voilà. Essayez chez vous le mode difficile. Vite. Vous avez vu comment je l'ai snipé au bon endroit? Ça, c'est un gage de qualité, Carrefour. Bon, les chompes. Mais d'où? Mais excusez-moi, mais monsieur... je suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer. Je suis absolument pas d'accord avec ce qui vient de se passer. De toute façon, est-ce que je suis d'accord avec quelque chose dans cette vie? Bon, cette fois, on fait pas la même erreur. Cette fois, déjà, on se fait pas toucher. Je veux dire... c'est bon. J'ai failli faire la même erreur. Parce que là, je dois garder mon costume. Je dois garder mon costume de Toadette hélicoptère, là. Je suis où? Ok. Le stress. Mais pas de stress. Il y a point S. Oui! Merci à toi. Hein. Salut, hein. C'est mon pote. Ok. C'est juste pour te foutre le stress. C'est du stress totalement gratuit. Oh là là. Très bien. Je suis dans un stress incroyable. Donc va y avoir un boss. Va y avoir un boss. Attention. Aïe aïe aïe. Je cours. Je cours. Je cours. J'ai couru. Ça, quel plaisir! Alors quoi? Mais comment le tuer? C'est ce que nous allons essayer de découvrir tous ensemble dans Comment le tuer. Et du coup, alors, si je fais ça, là, il me suit? Ah, il s'en bat les couilles, en fait. Le nuage, il fait sa vie, en fait. J'ai envie de mourir. C'est pas grave. On va voir ce qu'il y a par là-bas. De toute façon, comme il y a un checkpoint, on s'en fout. Hein. Mais il va nous suivre toute sa vie, en fait! Bon, là, il faut que je meure. Ou pas. Si. Il faut que je meure, comme ça, je vais reprendre... Là, je suis... je l'avoue, un peu perdu. J'essaie de comprendre comment fonctionne ce nuage ailé, d'ailleurs. Je ne connaissais pas du tout ce monstre. Enfin, ce monstre. Je sais que c'est un assemblage de boue ailée et de nuages, hein. Merci. Merci au Jean-Michel Premier Degré qui vont m'apprendre ce que c'était. Mais je ne savais pas du tout que ça faisait ça. Mais c'est horrible! Le mec reste au milieu de l'écran tout le temps, comme ça? Comment ça marche? Ok, il faut faire ça.
Ok. L'important, c'est plus j'en suis, plus je serai tranquille. Donc il faut que je commence lorsqu'il est au bout, comme ça, il va rester au milieu. Ok, d'accord. C'est bon, je l'ai. Hey, Granette! Comment? Oh! Bah, c'est dur un peu. Ok. Ça tue ou pas? Ça fait rien? Comment? Mais... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? J'étais censé la prendre, on est d'accord? J'ai appuyé sur le bouton pour la prendre. Du coup, là, c'est niqué. Je me suis softlock. Ah bah non, il va en faire un nouveau. Voilà, oui, c'est ce que je voulais faire en fait. Très bien. Bon, c'est ce que je voulais faire, mais ça n'a pas fait, je sais pas pourquoi. Donc tout va bien. C'est fini. Donc c'est fini. Dis-moi, s'il te plaît, que ton niveau est fini. Ça va se passer. Très bien. Eh bien, écoute, bon niveau en vrai. En vrai, le niveau est cool, le puzzle est vraiment sympa. Que dire de plus? Je ne sais pas. Je suis... Oh là là, je suis le premier à l'avoir terminé. Je vous l'ai dit, hein. Je serai le premier à le terminer. Bon, c'est parce que j'ai été l'un des premiers à y jouer, hein, on va se mentir. Mais en tout cas, c'était nice. C'était nice, c'était un bon niveau, plutôt bien construit. Je sais plus si on avait vu des erreurs. Je sais plus trop si on avait fait des erreurs. Si on avait vu des erreurs. Mais en tout cas, ça mérite clairement des bisous. Ça mérite clairement des bisous. Moi, je mérite des baffes parce que vraiment, je joue de moins en moins bien. C'est vraiment terrible. Alors, ce soir, je suis au plus bas de mon niveau, mais c'est pas grave. Bien sûr, ne pas spoiler les gens. Comment faire? Bien, merci à toi, en tout cas. Des gros bisous, Staroys. Des gros bisous, Staroys. Très bon niveau, personnellement. Si les gens veulent dire des trucs sur le chat, n'hésitez pas à le dire. Il vous lira peut-être. Il est pas obligé. C'est pas un YouTuber. Il est pas obligé de vous lire. Ne te sens pas obligé. Du coup, on passe à 8,33% de réussite, incroyable. Alors, voyons voir sur le hashtag DJ Mario. Je regarde vite fait un petit peu ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une reconstruction du niveau original Trizone Area 3 de Mario Land 2 avec quelques changements. Bah oui, mais si c'est un niveau qui existe déjà. Bon, comme je l'ai lu à voix haute, la personne va être dégoûtée si je le fais pas, donc du coup, je vais le faire. Mais bon, si c'est pour refaire un niveau qui existe déjà, c'est un peu dommage quand même. Alors, bah après bon, t'as dit des modifs, donc logiquement, c'est qu'il y a des petits trucs en plus. Alors, T64, DPC, on a besoin de DPC pour faire des gaming, et G5G. Bah, si t'as la 5G, on est content pour toi. Nous, on reste à la 4 pour le moment, jusqu'à ce que ça devienne pas hors de prix, la 5G. D'ailleurs, je pense que c'est pas encore arrivé en France, la 5G. Hein. Qu'en pensez-vous chez vous? Alors, Mario Land 2, Trizone Area. C'est une reconstitution du niveau original Trizone Area 3 de Mario Land 2. Alors, déjà, il y a 70 personnes qui l'ont fait et 10% de taux de réussite. Donc, c'est que ça doit pas être trop dur. Et le record est de 30 secondes. Attention, on va essayer de battre un record encore. Pas du tout. Court, mais bon. Comme... Ah là là là, terrible. Alors, c'est parti. Très bien, bonjour à tous. Ce qui me rassure, c'est de me dire que je suis pas la seule croix. Tout le monde s'est fait avoir. Tout le monde a foncé comme un bourrin et tout le monde s'est pris le Galumba. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, c'est vous le problème. Très bien, qu'est-ce qu'il y a dans cette tuyau? Il y avait des plantes. Eh bien, ma foi. Au revoir. C'est mon pote. Oui, en fait, le secret, c'est de prendre son temps. Mais alors, comment faire en 30 secondes? Mais comment faire? Quoi? Mais c'est pas fini? C'est où? Ah, c'est là. C'est caché!
Il y a beaucoup de vie dans ce niveau, c'est sympathique d'avoir donné des vies aux joueurs pour qu'ils s'amusent. Très bien. C'est vrai que ça ressemble vraiment à un vrai niveau de Mario Bros. Hein. C'est très chill. Bon, voilà. Il y avait un petit bloc caché ici, c'était plutôt évident. Est-ce qu'on peut vraiment parler de caché d'ailleurs? Et par contre, je sais pas comment utiliser ces trucs-là. Il y avait un truc dans le tuyau, il aurait fallu que je fasse attention. Et je n'ai pas fait attention, donc je m'en mords le fion. J'ai pas la clé, donc je m'en mords bien le fion. Ah, des... Ah oui, d'accord, ça allait vite, effectivement. Que dire? Attends, il faut que je le refasse. Faut que je refasse en speedrun et que je mette un comment faire. Bah déjà, un petit coup là. Attends, je vais le refaire vite fait. Parce que du coup, je m'attendais à ce que ça aille plus long. Je vais speedrunner moi aussi. Bah c'est déjà raté. Et non, c'est la voie du speedrun. On va essayer de trouver cette clé là. Vite. Si on va vite, ils n'apparaissent pas. C'est en haut, c'est en haut. Je le savais que c'était en haut, pourtant j'ai pas été en haut. Pas été en haut. J'ai failli crever. Pas été en haut. D'accord. Bon, on va essayer de trouver la voie, la voie du Jujitsu. Je me suis fait dessus. C'est parti. Je suppose qu'il faut aller par là. Je ne sais pas utiliser ce pouvoir, hein, de base. Bon, écoutez, on va pas faire mille fois le même niveau, du coup. Ah, dommage. Dommage, mais bah du coup, il faut que je commente. Il faut que je fasse des bisous. Visible une fois le stage terminé. Ah mais oui, mais ça va le faire apparaître ici. Ah bah attendez. Sur le Galuma, c'est parfait. C'est juste parfait, en fait. Comment faire? Ah, attendez. Ah, mais du coup, alors, si j'ai bien compris, il faut que je termine un niveau pour pouvoir faire un commentaire. Donc maintenant, il faut que j'y pense. On découvre le lore de Super Mario Maker. Putain, comment faire? Mais c'est trop dur. Mais ce qui est encore plus génial dans le fait de l'avoir mis là, c'est que en plus, les gens qui vont faire le niveau pour la première fois, avec les commentaires activés, ils vont pas le voir. Ils vont pas voir l'ennemi, du coup, ils vont se le prendre. Et ça, c'est encore plus fort. Ça, c'est encore plus bien joué, ça. Ça, c'est GG. Allez. Comment faire. Attendez, comment avoir cette clé? Comment faire pour de vrai, du coup? Ah, c'est marrant. C'était marrant, ça. C'est bien amusé, hein. Kaizo Block, là, vraiment. Mais pourquoi, en fait? Dans quel but? Dans le but de nuire. Attendez, quoi? Y aurait-il moyen de cheese? Comme on dit dans le milieu. Je dois terminer ce niveau pour faire un... Quoi? Ah oui, c'est pas la bonne scène! Des barres! Excusez-moi. Pas du tout. J'y ai cru. Il faut que je termine ce niveau. Il faut que je fasse des bisous.
Je dois faire des bisous, c'est plus fort que moi. Bon, déjà. Mais il vient pas ? Je voulais savoir si pour l'avoir, il fallait le buter. Mais alors du coup... C'était quoi ce Kaizo Block là, de ces morts ? Très bien. Bah, on sait pas. On sait pas comment l'avoir, mais on l'aura un jour, hein. Allez, salut, hein. C'est mon pote. Bah du coup, je sais pas. Je sais pas quoi penser de ce niveau, étant donné que c'est déjà une reconstruction d'un niveau déjà fait, et qu'apparemment tu l'as modifié. Je ne connais pas le niveau original, donc je ne saurais pas dire à quel point le niveau était... était changé, mais quoi qu'il en soit, c'était sympathique. Après, je sais pas du tout où était censée être la clé, et je ne connais pas du tout le pouvoir du Tanuki, pour être très honnête, hein, je ne sais pas, donc à vous de le découvrir de votre côté. Je ne sais pas quoi dire, à part bisous. J'ai envie de dire juste bisous. Le niveau était cool, le niveau était simple. Le Kaizo Block, j'ai pas compris. Genre, il est vraiment... Je sais pas si c'est censé être un Kaizo Block ou juste un bloc bonus, mais je me suis fait baiser. je sais pas du tout. Même moi, je sais plus comment avoir la clé. Ah bah, super. Et bah, super. Et bah, pour ça, bisous. Et bien sûr, tu auras toi aussi le droit à ton comment faire. N'oubliez pas, hein, dans tous les niveaux que vous faites, dès qu'il y a un petit truc où il faut réfléchir plus de 5 secondes, n'oubliez pas de mettre un comment faire. C'est vraiment très important sur Mario Maker, c'est un petit message entre les gamers, etc. C'est pour reconnaître entre vous que vous êtes des gamers. Bon, du coup, des bisous. Y a-t-il vraiment une clé ? Là est la question. Voyons voir, du coup, dans les DJ Mario. Niveau basé sur les wall jumps, donc si tu les détestes, ne le fais pas. Oh, ça va, j'aime bien les wall jumps. Je suis pas forcément fort pour autant, mais j'aime bien. C'est un petit peu comme... comme Mario Maker, j'aime bien, mais je suis pas fort. GCB, non, GCP, attention. C'est pas gros cacaboudin, c'est gros cacaprout. Putain, je me déteste. HRG, voilà. J'ai dit je me déteste, hein, pas je le déteste. Je ne veux pas modifier mes propos, s'il te plaît. Des bisous, GCB. Kate Queen, The Blind Donut, bienvenue à toi. Alors, ah, le désert. Désert level with wall jumps. Et bah, c'est pretty. On va même pas être le premier à le terminer. Non, mais je veux pas jouer. Ça m'énerve. Allez, Wagon. Nous allons faire ton level. Comment faire? Il faut qu'on trouve un endroit où mettre comment faire dans tous les niveaux, maintenant. Un jour, il y a un mec qui va faire un niveau d'énigme qui s'appellera comment faire. Et ce sera génial. Putain, mais c'est ça, mais c'est bon. J'ai mon prochain level. Prochain level, je l'appelle comment faire. Alors, faut que je fasse attention, les carapaces ici. Mais, je voulais rebondir dessus à nouveau. Elle a fait de la merde. Il y a même pas de pièces rouges, quoi. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tiens, meurs. C'est parti ! Pour l'instant, y'a pas beaucoup de wall jump, hein. Ok, maintenant y'en a. Bon, je suppose qu'il faut trouver les 5 pièces rouges. Bonjour, ok, ça va, il va pas dans le mauvais sens, tout va bien. Ah bah, les 5 pièces rouges sont au même endroit, très bien. J'ai vu une barre de feu, donc je vais attendre. Ah non, c'est bon. Et on en a enfin ici, ok. Très bien. Plutôt simple. Plutôt aisé. Et vous allez me dire que tout ça, c'était pas une pièce ? Attention, monsieur. Hein. Ah oui, vraiment, c'était vraiment pour une pièce. Très bien. Non, mais je le prends pas mal. Je suppose qu'il faut que j'attende ici pour avoir mon petit chapeau, sinon je m'enferme moi-même. C'est vrai qu'on peut faire ça, c'est vrai que ça devrait, on a le droit. Ouh là là, ah oui, je comprends pourquoi on a un chapeau. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Bon, je crois que je vais pas en avoir besoin. Qu'est-ce que... Oui, bonjour. Il s'est suicidé. Il s'est donné la mort. Pourquoi? Pourquoi, monde cruel? Ah, très bien.
Bon, il faut que j'aille en bas. Ah, c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Parce qu'il s'est pas vraiment suicidé. C'est parti. Oula, j'aime pas ces blocs là. J'aime pas ces blocs là. Ça va. I'm alive. Ah! Attendez. Ok, très bien. Il a mis les pièces pour nous montrer là où il n'y a pas de... Où il n'y a pas de boule de feu. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien joué. Pour l'instant, j'apprécie. Vite! Faut aller vite! Il barre de feu. D'accord. Putain, c'est... Pourquoi tant de tuyaux? Pourquoi? C'est un labyrinthe? C'est pour le lore? Il y a du lore dans ces tuyaux? Pip, pip, pip. Nick. Et Nick. Qu'est-ce qu'on a par là? Est-ce que j'ai à niquer ton niveau? Pas du tout. Pas du tout, c'était juste normal ce que je viens de faire. Bon, après, si un peu, mais il fallait que j'ai la clé, quoi qu'il en soit. Alors, faites attention à cette musique généralement dans les levels. C'est souvent qu'il y a un troll ou un truc comme ça. Mais des fois, c'est juste parce qu'on aime bien la musique. La musique. C'est pas très clair ce qu'il fallait faire. C'est pas très bien ça, ce qui vient de se passer. Hein. C'était pas très clair ce qu'il fallait que je fasse. Intéressant. C'était pas très très clair là pour le coup qu'il fallait que je me laisse tomber. Hein. Attention, ça c'est pas bien joué. Ah, du coup, j'ai plus mon... Ah non! J'ai plus ma protection anti-frère marteau! C'est pas grave, qui en a besoin, finalement? Qui en a besoin? Vous n'en avez pas besoin, moi non plus! Tout va bien. Bon. Allez, on y va. Nick. Bon, du coup, il faut aller là. Pour the keys. C'est pas grave. J'ai failli crever. Il aurait fallu mettre des pièces, tu vois. Ou nous faire arriver. Ah, mais ça, ah, ça monte! Très bien. Ah, ça monte pas en fait. C'est juste pour stresser le joueur. Il aurait fallu montrer au joueur que c'était normal que la porte... Franchement, la porte qui apparaît en haut du niveau sans aucune raison, c'est un peu chelou. Voilà, petit... Ouh, j'aime pas, il va vite. Il va vite. Super drôle, ça, les proutes, on aime. Non, ça va. C'est bon. J'ai peur. J'ai pas peur. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bon, ça fait plaisir. Ça fait quand même plaisir de se faire applaudir de temps en temps, c'est... Merci beaucoup. Ah! Petit tricks. Comment ça, un bloc pot, un bloc P, un bloc G, un bloc F, tout ce que tu veux. Ah, très bien. Bon bah, pas par chien. Vite! Non! Comment oser? Ok, très bien. Pour l'instant, ça va, hein, ça se passe bien. Aisé. Ça va, c'est plutôt cool. Le niveau est plutôt sympa avec le joueur, quand même. Attendez, on va prendre la petite pièce. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout des choses. Voilà. Ça sert à rien, mais je suis content de l'avoir fait. Par contre, j'ai pas mis un seul comment faire. Ça, je suis pas content. J'ai pas mis de comment faire. Je me suis pas posé la question de comment faire, donc c'est pas un bon niveau. C'est pas vrai. Bah, c'était plutôt cool. Bon, bah, tu as entendu en direct hein, mes petites remarques. Tu as entendu en direct mes petites remarques. Sensationnel. La porte, notamment, qui est en haut. Pourquoi? On ne sait pas. Merci à Londra pour le Twitch Prime et pour les 17
Vous avez entendu comme moi, 17. Moi, merci beaucoup. Des gros bisous. Et du coup, pour ce niveau, je vais mettre des bisous. Il y avait des bons trucs. C'était un niveau basé sur le wall jump. C'était dit. Après, c'était pas totalement basé sur le wall jump. Mais, en tout cas, c'était un niveau sympa. Allez. Et c'est lundi, on va sur Twitter, sur le hashtag DJ Mario, je vous rappelle. Je suis sûr que Bob Merlin vous a déjà rappelé 1000 fois. C'est un de mes premiers, donc il y a quelques erreurs, mais je l'avais... Oh bah t'as caté, hein, moi aussi. Hein. Mes premiers niveaux sont éclatés au sol. Alors, la coupe à quart, hein, la coupe à quart. Vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour les coupes à quart. C'est faux, si vous avez une coupe à quart au début de votre niveau, je le fais pas. Alors, j'ai pas compris ce que dit la personne. Voyons voir. Du speedrun simple pour tester la ligne. La ligne ? Comment ça, la ligne ? Après, vous avez pas posté comme il faut. Vous avez pas mis genre ce que vous attendez de moi, tout ça. Je rappelle, hein, il faut mettre le hashtag, l'idée du niveau, le nom du niveau, une petite description. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur votre niveau ? La forteresse P-Switch. Sortez de la forteresse grâce aux mécaniques du P-Switch. Aïe, aïe, aïe. Ça va demander d'être précis, ça. Ça va demander d'être intelligent. On va pouvoir dire comment faire. On va pouvoir dire comment faire, ça, c'est sûr. Donc, ça va être un bon niveau. 8x3. C'est donc un niveau de Double Lightning. 8x3. Très bien. On dirait presque un smiley. STL. Qui bien sûr c'est un salut mais écrit par un dyslexique. Et VPF. Connaissez-vous NordVPF? Notre sponsor ce soir. Ok, Fortress P-Switch, c'est bien ça. C'est bien le niveau qu'on voulait. 2 secondes, je regarde vite fait sur Discord, j'ai le notif. Est-ce que quelque chose d'important? C'est non. Allez, c'est parti du coup pour le niveau de Belluna. Comment ça, Belluna? C'est un bootleg, attention. C'est bootleg Luna. Je plaisante. Allez, let's go. Let's go. Merde, j'ai rigolé à NordVPF. Désolé. Désolé à vous. Alors, Fortress P-Switch, go. Let's go pour ça. Est-ce que ça va être dur? Est-ce que ça va être facile? On ne le sait pas, c'est vrai ça. Ah, déjà, si gentil dès le départ. Ah, attendez. Alors déjà, il faudrait que j'apprenne à jouer. Ok, ça marche. Let's go. Comment ça? Oh, ça va, c'est pas si dur déjà. On vient à peine de commencer, les cris. Qu'est-ce qui se passe là? Très bien. C'est vraiment juste un petit bonus. Mais écoutez, un bonus, on va le prendre. Je vais le prendre, je veux dire, vraiment. Parce que sinon, je sens que je vais pas en faire, donc. Je vais mettre un commentaire comment faire ici. Comme ça, les gens vont se dire, mais quoi, mais pourquoi il a galéré ici? Lui, il est complètement con. On se dit, mais c'est super facile d'avoir la pièce. Comment est-ce que t'as pu galérer à l'avoir? Et ben voilà. Allez. Comment ça? Vous êtes en train de me dire... Vous êtes en train de me dire que ce qu'il faut faire, c'est revenir 1000 fois dans le niveau? Attendez, je vais regarder. C'est ça. Ah, d'accord. Ça fait sens. Comment c'est un Goomba? Bah non, je vois pas de Goomba. Attends. Petit salopard. Salopard de Goombas. Ok. Est-ce que je peux aller en bas? C'est pas indiqué ça que je peux aller en bas. Du coup, dans le loot, hein. Il va me tomber dessus. Il va me tomber dessus. Il va me tomber dessus. Ok. Très bien. Petite pièce cachée. Les pièces cachées sont cool. En vrai. Celle-là était plutôt cool. Je
j'essaie de cheese un peu le niveau. C'est moi qui me suis fait cheese tout seul. Ça me prendra. J'avais totalement... Dans ma tête, c'était clair comme, comme l'eau de roche. L'eau de roche. Bien sûr, nouveau parfum. J'ai envie de me foutre des baffes. Je me suis auto-baisé. Et ça, c'est bon. Hein. Comment faire? Il est tellement bien placé, c'est parfait. C'est juste parfait, en fait. C'est juste perfect. Apprendre à voir, faire malin. C'est pas facile, vous savez. J'ai vécu dans un quartier difficile. Où j'avais pas accès à la culture. J'avais pas accès à un cerveau. Amazing. Elle peut pas aller plus vite? Ah si, elle peut. Bon, du coup, on l'a compris. Il faut aller, du coup. Oui, non, mais c'est ça, hein. J'ai pas besoin de ce bloc-là, en fait. Ce bloc-là, il sert à quoi? Il sert vraiment juste à nous mettre dans la merde. Avec un personnel de merde qui nous a mis dans la merde. C'est ça, hein. On peut pas le prendre, donc oui, bah, let's go. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Bonjour à vous. Très bien. Donc je sens que lui va nous balancer un ennemi. C'était obligé. Très bien. Et là c'est le moment où j'utilise mon intellect surdéveloppé. C'est le moment où je triche. Ah! Quoi? J'ai peut-être une idée. Non. J'ai oublié de le faire une deuxième fois. Mais du coup, il faut que je recommence. Oh non, je me suis... Ah, mais en fait, j'ai pas utilisé mon intellect surdéveloppé. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Il faut qu'on ait les deux blocs P. Nous sommes face à quelqu'un qui essaie de nous piéger, qui essaie de nous faire du mal. Très bien, monsieur. J'accepte votre défi. S'il te plaît, merci. J'accepte votre défi. Hop, on a un petit checkpoint. Comment peut-on aller là? Ah, bonjour à vous. Bon bah c'est plutôt évident. Ah yes. Ça marche. Est-ce que si on est assez rapide, on se la prend pas? Mais non, faut que je fasse ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait un tour. Reviens, merci. Bon, cette fois-ci, j'arrête d'être débile. Voilà. Ça sert à rien, c'est pour une pièce, hein, mais j'y tiens. J'y tiens à ma pièce. Allez, ça suffit. Hein. Il suffit. Ouais, en vrai, sinon, le niveau est plutôt bien en soi. Il est bien pensé. Plutôt cool. Ah. Oui, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris. L'important dans la vie, c'est de comprendre. Pas besoin de bien jouer, il faut juste comprendre. J'espère que l'œuf fera quand même Super Paper Mario si l'objectif n'est pas atteint. Ah bah attendez, vous croyez quoi? Un objectif, c'est fait pour t'attendre. Si jamais je dis aux gens, ouais, à X sub, on fait ça et qu'on les atteint pas et que je le fais quand même, comment vous voulez que je sois pris au sérieux après lorsque je fais des sub goals, les gars? Non. Je peux pas. Je
peux pas faire ça. Donc c'est long. Il faut que j'active le P-Switch. À l'aide de notre ami le Schwomp. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais il nous suit, les Goomba et les... J'étais pas au courant. Bien joué. Enfin, bien joué. Pas non plus je me lance des fleurs comme un taré, hein. Salut à tous. C'est mon poteau. Ah. Très bien. Bon, l'important... Pourquoi faut attendre tout le temps? Pourquoi? Là, y a pas de danger, pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre? Ça sert à rien de nous faire attendre. Sauf si c'est pour nous empêcher d'avoir le P-Switch, effectivement, activé d'ici. Auquel cas, je retire absolument ce que je viens de dire, car c'est certainement pour ça, et du coup, c'est intelligent. Alors. Réfléchissons. Il faut que j'active le tromp. Excusez-moi, j'avais une bestiole qui me volait devant. Je réfléchis, à quoi sert le tromp, là? Rien, en vrai. Pourquoi il réagit même pas? Il s'en bat les couilles. Oh, j'ai une idée. Enfin, je sais pas. Bah non, j'ai pas d'idée, en fait. Non, c'est complètement con. Attends. Attends. Quoi? Ah, il bloque... Ah, oh! Il bloque le... Très bien. Ingénieux. Moi, je pensais qu'il allait l'activer avec sa tête, du coup. Je pensais pas que ça allait le bloquer. Très bien. Ah, je découvre des trucs. J'aime bien découvrir des trucs, c'est quoi? Vite. Comment ça, j'ai pas le droit? Je suis privé de champi. Voilà, de champi. De... Bref, vous avez compris. Un deuxième boss! Mais comment faire? Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais il faut que je... Très bien. Et pas mal ce boss. Pas mal pensé. J'aime bien le principe. Salut mon pote. Non. Bah ça va, je suis bon là. C'est mon pote. Il me fait peur. Il m'a fait peur, sa race. Le boss est vraiment bien pensé, là, par contre. J'aime bien, j'aime beaucoup l'idée. Il est pas trop difficile et pas trop salaud, mais le principe est vraiment cool. Ça, c'est vraiment les trucs qui me font délirer, c'est les combats de boss dans Mario Maker. C'est toujours ingénieux. Nice. Bah le niveau était cool, il y avait très peu de défauts, pas beaucoup en vrai, même quasiment pas. Du coup je viens de faire 3 synonymes, donc c'est plutôt cool. Tu as le droit à ton comment faire, donc je pense que c'est une review complète de ton niveau. Bonjour Kultoon. Tu feras du Unless Super Expert ou pas? Bien sûr, on fera du Unless Super Expert ou on fera un niveau. Comme j'ai le skill adéquat. Que faire? Des bisous, c'est un petit peu trop simple pour ce niveau. Un petit peu trop simple, je veux dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce niveau? Plutôt que des bisous. J'ai bien aimé le principe, c'était bien fait. C'était pas un niveau très complexe, mais un niveau plutôt sympa à jouer. On va dire la bonne bise. N'essayez pas de faire une tier list
de trouver vraiment un système de notation précis à base de mes bisous, etc. C'est impossible. C'est absolument impossible, mais voilà. La bonne bise. Tac. Du coup, allez, on en fait un petit dernier avant de marquer une petite pause. C'est combien de temps qu'on joue? Eh, ça fait un petit peu plus d'une heure et demie, là, déjà, non? Je crois. Je sais plus. Ouais. Alors, un projet terrifiant version 8. Waouh, version 8, incroyable. Ça fait beaucoup. Interrompez le chantier du nouveau château de Bowser avec votre tenue d'ouvrier complètement en marteau. Ça m'intéresse. La nouvelle tenue d'ouvrier, j'ai quasiment jamais joué avec. J'ai fait un niveau où à un moment on s'en sert, mais on s'en sert pour littéralement 2 secondes, donc c'est pas ouf. GTP, DTC, donc on dirait presque que c'est l'abréviation de j'ai tapé dans ton cul, ce qui fait plutôt mal, mais qui peut parfois faire plaisir. Et 5FG, bien sûr, qui ne veut rien dire du tout. Faudra peut-être devoir faire des blagues. Bowser fait construire un nouvel antre en Saint-Gloire. Stopper le chantier. C'est pas très sympa. 0% de réussite. Bon, en même temps, il y a une seule personne qui a tenté. C'était son petit frère. Il a pris les Joy-Con, il est tombé dans l'air et il a raté, quoi. Alors, on va tenter. Quoi? Alors, voyons voir. Bonjour. Donc la tenue d'ouvrier, on a deux possibilités. On peut faire des coups de tomard et on peut également, si on va vers le haut, Toadette a envie de chier et bim, elle balance une petite cassette. C'est mon pote. Du coup, ok, très bien. Bon, on va voir ce que ça fait. Boum, bonjour à tous. Niche. Hop là, ça a le mérite d'être simple. Normalement, on peut tout défoncer avec ça. Bim, voilà, le château de Bowser. Voilà ce que j'en fais du château de Bowser, moi, mon pote. Voilà ce qu'on en fait de ton château de Simon. Très bien. Regardez, nos amis des indices, nos amis. Mettez des boîtes. Voilà. Faut faire des boîtes. Ah. Rien à foutre. Bon, en vrai, faut que je fasse ce niveau de manière propre, sinon ça va jamais le faire. Oh non. Ça va. Moi, si je reste là, normalement, je suis safe. Ok. Pourquoi il y a des hérisses géants? Bonjour à vous, hein. Bonjour à vous, c'est de la déco. C'est de la petite déco, hein. On a ici, après le checkpoint, nous avons un nouveau marteau si jamais on meurt. Comment faire? Il y a un comment faire, c'est pas moi qui l'ai mis, je vous jure. Ah là là, mais comment faire? Terrible. Aïe aïe aïe, comment est-ce qu'on peut faire? Que pouvons-nous faire? Il fallait que j'utilise des blocs, mais j'ai pas... Oh là là. Bah moi aussi je vais en mettre un du coup. Comme ça il y en aura deux. Non, je vais en mettre un autre. Je vais en mettre un autre qui me casse les couilles tout le temps. Contre la montre ultime, d'accord. C'est lequel que je trouve... Ah oui, abusé, voilà. Abusé, ça aussi c'est terrible. Ça aussi c'est terrible, les gens qui mettent abusé. Allez, salut mon pote. Comment faire V8. C'est ça. Allez, bon, cette fois on l'a, hein. Bon, c'est pas parce qu'on l'a qu'après je vais y arriver, mais en tout cas, on l'a. C'est tout ce qui compte dans la vie, c'est l'avoir. Regardez, c'est abusé. C'est abusé, ce niveau, c'est trop dur. J'ai failli rater. C'est pas très sympa, ça. Mais y'a une mouche qui était sur ma main, salope.
Excusez-moi. Ça marche pas, c'est pas grave. Ah, mais du coup, tu perds ton pouvoir, c'est fini. Il y avait une mouche sur ma main, mais pourquoi ? Excusez-moi, hein. C'est pas moi. C'est la faute aux mouches. Bon, il serait temps de savoir ce qu'on fait un petit peu de notre vie. Ça sert à rien, ça détruit mes blocs. C'est pas très sympa de faire ça. Ces blocs que j'ai construits, mes propres mains. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je t'ai fait? Quoi? C'est bon là, il en fait plus. Ingénieux. Oh, c'est un système de poulies. Ok. J'ai peur. Non mais là, monsieur, c'est illégal. Est-ce que j'ai le droit à... Quoi? Salaud. Je suis bloqué. Le bloc, là... Est-ce qu'on peut les détruire? Attendez, j'ai pas essayé de le détruire. Si ça se trouve, on peut le détruire. Bon, déjà, ça là. Mais reviens! Merci. Voilà. Voilà pourquoi c'est chiant. Voilà pourquoi il faut pas monter sur le bloc. Putain, il a pensé à tout ce petit bâtard. Bien joué. Bien joué. Il a pensé à tout. Vous voyez, hein? C'est le bloc qui vole. Bah non. C'était un piège. Et vous seriez tombé dedans. Et moi? Eh ben moi, oui, aussi. Oui, moi aussi, oui. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, mourir. Ça va vous? C'est un bon moment, hein? Heureusement je m'énerve pas quand même, hein. Imaginez si je m'énervais en plus. Imaginez, ce serait terrible. Mais comment faire? Ça glisse en fait. Le style Mario 3D Land, il glisse sa mère. Je sais pas pourquoi les créateurs du jeu, ils ont fait ça. Hein. Pourquoi les créateurs du jeu, ils ont fait que ça glisse sa grand-mère? Pourquoi ils ont fait un style qui glisse autant? Je comprends pas l'intérêt. Je vais me tuer. Je vais me donner l'amende à plus grand délai. C'est abusé. Je vais retenter avec ma méthode de gitan. J'en ai marre. En fait, j'en ai juste marre. Ça me saoule de me faire toucher par les trucs, genre je veux pas me faire toucher. Mais bon, putain, par contre, la mouche là, je vais tellement péter un plomb. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, j'ai une maladie. Les mouches, je peux pas. Bon, voilà, on va y arriver un jour. Merci. Non, en fait, faut spammer les blocs comme un connard. C'était évident qu'il fallait que je tue le coupin. C'était évident qu'il fallait que je le fasse, mais je l'ai regardé droit dans les yeux, je fais hey, « Hé, mais je suis complètement con. » C'est bien, hein, c'est bien, on s'amuse bien. C'est pas touche la mouche, c'est ça. Fous-moi là-bas. Putain de jeu de merde! Pardon. C'est pas d'énerve, vraiment. Je sais pas pourquoi vite, ça. Pourquoi il fait ça? Je comprends pas pourquoi il a fait ces blocs. À quoi bon? Si tu veux. Attends. La mouche. La mouche de ses mots. Ah putain, je suis pas énervé. Hein. Je suis pas énervé. Mais comment faire? Aïe 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 aïe.
te plaît, ne me gêne pas. Mais putain ! Comment faire ? J'en ai rien à foutre en général. Je me soucie de mon compte. Voilà ce que je vais faire mon jeu. Mais comment faire ? Le pire c'est que je l'ai, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je le fais pas en fait. Je sais ce qu'il faut que je fasse, il faut que je continue à balancer les blocs comme un débile. Faut que je... S'il te plaît. Il faut balancer les blocs comme un gros débile tout le temps. Pour pas qu'il y ait un seul truc qui nous touche. C'est pas encore fini. Vous savez, c'est pas facile de s'amuser dans les jeux vidéo. Oh, attends. Je sais pas pourquoi je continue d'y croire. Je sais pas pourquoi j'essaie encore d'y croire alors que c'est foutu depuis 1000 ans. Ce niveau est fun. Bah en vrai, il l'est, hein. En vrai, ce niveau est cool, mais c'est juste que depuis tout à l'heure, je sais ce qu'il faut que je fasse et je le fais pas! Il faut que je bute le Koopa, que je lance des putains de blocs. Et à chaque fois, je suis devant le Koopa et je fais « Hey, salut toi, tu vas bien ? Tu fais quoi de ta vie, en fait ?» Le Koopa, il faut que je le tue avec mon marteau. Merde ! En fait, bon, je suis pas énervé, hein. Je suis pas énervé, pas du tout. Je suis pas énervé. Pourquoi on peut détruire ce bloc, là ? Ça se trouve, il y a tellement plus simple et je me prends la tête. Mais en fait, je vois pas. En fait. Je vois pas comment tuer le Koopa et empêcher en même temps, attention, j'entends bien en même temps, le missile chat nous casser les couilles. Je vois pas comment faire les deux à la fois. Je vois comment faire l'un, je vois comment faire l'autre, mais pas les deux en même temps. Et ça me rend ouf en fait. Parce que j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je n'arrive pas à mettre les cellules de mon cerveau, les trois neurones qui me restent, ensemble pour trouver une solution. Bah j'ai essayé toute ma vie. C'était pas encore fini, hein. Je pourrais encore y arriver. Bah là, c'est foutu par contre. Faut que j'arrête d'essayer, faut que j'arrête de vivre. Faut que je joue bien en fait. Il faut que je joue bien, c'est ça le problème. Vous savez très bien que c'est difficile pour moi de bien jouer. Vous savez très bien que j'ai un problème. Mais balance des blocs au lieu de faire ton marteau de merde! J'en ai marre des Joy-Con, Je vais acheter une manette. Une manette pro, ça me ferait du bien, genre, d'avoir une manette pro, ouais. Ça me ferait du bien. Ouais. J'en parlerai à mon médecin. Mon médecin me conseillera peut-être d'avoir une manette pro. Nick. Mais non, mais il va être bloqué. J'ai cru qu'il allait s'arrêter. J'ai cru qu'il allait arrêter de vivre. C'est absolument horrible ce que tu as fait. Tu es la pire personne au monde. Sache-le. Non mais sérieusement ? Pas le droit de mettre un bof pour ça.
J'ai pas le droit. Techniquement, c'est interdit dans la loi des Mario Maker. C'est interdit. Mais vraiment, c'est... Le timing est dégueulasse. Putain. Mais balance des putains de... J'ai dit quoi déjà sur le fait de pas m'énerver? Ok, attendez, deux secondes. On va recommencer. Bonjour les amis! Bienvenue dans un petit niveau Mario Maker. Je vais pas m'énerver. Je peux pas m'énerver, c'était techniquement impossible. J'ai pas de possibilité de m'énerver en fait, je suis pas un être humain comme les autres, j'ai pas d'émotion. J'ai pas d'émotion. Je ne suis pas doté de haine. Doté uniquement de 100% pure skill. Je ne suis que bon au jeu vidéo en fait. Je ne peux pas rager ou quoi. Je suis juste bon au jeu vidéo. C'est tout ce que je peux faire. Désolé. Désolé pour vous. Je sais que vous aimeriez me voir rager mais je peux juste pas. Je peux juste pas. Je peux juste pas. Je peux juste pas. C'est bon. Voilà. Vous voyez, je suis trop bon au jeu vidéo. First try. Pas de problème. Pourquoi il est là, lui? Et qu'est-ce que tu fous, là? Je te croyais chez ton père! Ah non, 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 c'est une mauvaise idée, ça. C'est pas une si mauvaise idée que ça. Ça va, hein, je maîtrise. Je sais jouer au jeu, hein. Je vous ai fait un prank en vous en croire que ça allait mal se passer, mais tout va bien. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah oui, c'est pour avoir notre bloc de marteau. D'accord. Je me disais bien aussi qu'il y avait ça. Hein. Bonjour à vous. Alors. Très bien. Quoi? Comment on fait déjà le saut tourbillonnant? Comment on fait déjà le saut tourbillonnant? Je me souviens plus comment on fait. Mais oui, des caisses! Il tape sur des bambous et c'est numéro. Merci, hein, merci d'avoir un cerveau pour moi. Merci de faire preuve d'intelligence à ma place. Sans vous, je ne serais rien. Yes. Z plus O, saut plus O, le super saut. Ah, d'accord. Ok, merci. Je viens de faire la même connerie que tout à l'heure, ouais, c'est ça. Bon, moi, je peux plus me tromper. Il m'a fait flipper, lui. Un peu répétitif, ça. Mais pourquoi pas. Bon, en tout cas, l'utilisation du marteau est vraiment cool. C'est bon. Je me chie dessus, maintenant. J'ai plus envie de recommencer. J'ai trop recommencé ce niveau. Je me chie dessus. C'est bon, c'est fini? Non. Oh non! Mais pourquoi ma vie est-elle si dégueu? Ah. Est-ce qu'on est vraiment obligé de se le faire? La réponse est oui. Et oui, d'accord, bonjour. Où es-tu, bonsoir chat? Quand tu veux. Bon bah c'est pas maintenant visiblement.
Je sais pas, j'ai jamais combattu Bowser Shaw, je crois. En fait, ce qui m'énerve avec Bowser Shaw, c'est qu'on sait jamais quand est-ce qu'il est sûr. Quand est-ce qu'il est attaquable. Et quand est-ce qu'il est pas attaquable. Quand est-ce qu'il est à notre niveau, quand est-ce qu'il est pas à notre niveau. Ah bah super. Super le timer. Yes. Ça tombe bien, j'avais pas envie de jouer au jeu. Merci. Ok, putain, heureusement on avait pas besoin du marteau. Ça aurait été fâcheux, hein. J'ai gisé dans mon pants. Au secours. J'ai même pas la ref, c'est juste que j'ai déjà entendu MV le dire et ça m'a fait rire. C'est quelqu'un qui l'a dit sur le chat, là. Je sais même pas d'où ça vient, ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Non, la réponse est bien sûr non. C'est fini, hein. Oh ouais. Bon, excellent niveau, en vrai. Excellent niveau. Très bonne utilisation du truc. C'était vraiment cool. Oh putain, c'est bien, ça fait une petite bougie anniversaire, c'est cool. Nice. Très très bon niveau. Très très cool. Et merci. C'était vraiment cool. Et alors, terminer en premier, ça c'est bof, hein. C'est bof. Hein. C'est cool. Bien sûr. En plus, tu as le droit à ton comment faire. Enfin non, tu n'as pas eu un comment faire, tu as eu la petite variante, toi, t'as le droit. Et du coup, des gros bisous. Des gros bisous pour ce dernier niveau de cette session. Hop. Et du coup, YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, bien sûr. N'hésite pas aussi à aller voir les niveaux des gens. Parce que là, voilà, moi j'y joue, c'est sympa, mais si toi t'as envie d'y jouer, n'hésite pas à faire les niveaux avant de me voir la jouer, comme ça c'est moins facile pour toi. Parce que c'est quand t'as vu un niveau, c'est beaucoup plus facile de le faire après, il faut savoir. Hein. C'est mon pote.